Il existe dans les archives du lycée à La Réunion un document qui est très comique. C'est Jacques Vergès est condamné à une. Est consigné un dimanche matin, comme punition, pour avoir hurlé pendant la permanence. En fait, c'est gentil de la part du pion. Je n'avais pas hurlé, j'avais crié « Vive de Gaulle ». Ce n'est pas une raison, parce qu'on est en désaccord avec quelqu'un, de lui attribuer des crimes qu'il n'a pas commis. Je désapprouve ce qu'a fait le général de Sarès en Algérie. Mais si demain quelqu'un me disait tous les matins il se faisait apporter un petit bébé rôti pour le bouffer, je dirais « Vous exagérez ». Et à exagérer, vous nuisez à la dénonciation des vrais crimes qu'il a commis. Par exemple, dans les procès des Khmers Rouges, on n'a pas le droit d'examiner ce qui s'est passé avant 1975. Or, les Américains ont déversé sur le Cambodge 3 fois plus de bombes que sur le Japon. Apparemment, c'était des bombes qui ne tuaient pas. Les juges d'instruction ont dit qu'ils sont indépendants. Souvent, ils révèlent leur dépendance à l'égard du pouvoir, ou bien à l'égard de cercles de lobby, de... J'ai eu des exemples. On dit qu'ils doivent instruire à charge et à décharge. En fait, ils sont dressés pour instruire à charge. Donc, je ne sais pas du tout, je ne dis pas que j'approuve la réforme ou pas, je ne suis pas au courant. Mais je dirais simplement que la disparition des juges d'instruction ne m'attriste pas. Alors là, vous avez des journalistes aux âmes de flics qui disent « On a contrôlé, il avait un découvert à la banque. » Et alors ? Bon. Vous avez un autre, un client que je ne nommerai pas, qui dit « Il a voulu coucher avec ma femme. » Bon. Et alors ? Bon. Tout ça, ça n'a aucune importance. On se dit c'est urgent, donc on a tiré. Et puis, à un moment, on a vu des flammes, des fumées monter derrière les bosquets. Et quand ça s'est calmé, on est allé voir, on avait tué un groupe de chars allemands qui s'apprêtaient à nous faire la peau. Bon. Le monstre et le criminel est un type comme nous. Et notre rôle à nous est d'éclairer le chemin qui mène un type semblable à nous à commettre un acte que nous réprouvons. Et ce faisant, ce n'est pas un travail subversif que nous accomplissons, puisque nous aidons la société en balisant cette route à pouvoir l'interdire, ensuite prendre les mesures de prévention.